Please don't go. Please don't go. You're the only angel I know. Let's stay forever. Please don't go. Please don't go. You're the only angel I know. You are sent from heaven, but love me forever. Ah mon dieu, ça enregistre, Colin. J'avais pas remarqué. Bon, excusez là. J'étais tellement dedans. Ah oui, c'est vrai. En plus, hey, cette fois-ci, j'ai pris des notes parce que vous voyez, j'ai pas toujours le temps de faire mes vidéos. Alors, je prends la peine de prendre des notes. Alors, voyons. Bouillon de poulet. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Alors, bouillon de poulet, margarine, salade, sel à linge. Ouais, yeah, c'est pas le bon sticker. Donc, pour commencer, il a cassé mon scénario. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà parlé. Fait que je veux pas faire un full vidéo là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une liste. Hein. Je vais régler plusieurs petites affaires d'un coup. Donc, hey, je vais couper ça, hein. C'est un peu fort. Bon! Il a cassé mon scénario. Il a scrappé mon scénario. Une vidéo à l'origine, c'était qui a fait ça? Je pense que c'était notre cher ami Franchet. Français. Je pense que c'est pas mal le haut de la France, à moins que c'est le sud. En tout cas, bref, il y a un accent assez. Assez belge, assez. Bref, Christophe. J'allais dire chien, mais non. Bon, là, c'est Christophe. Yeah. Yo. Salut, Chris. Je t'apprécie. Je t'aime beaucoup en tant que personne. Bref, il a cassé mon scénario. Je pense que tout le monde a déjà reviré cette question-là dans tous les sens. Puis, j'apporterai pas tant grand-chose de ça. Dire, juste mentionner que moi, je suis quelqu'un qui prépare, mais beaucoup à l'avance. Vraiment beaucoup. Étant donné que j'étais un fan fini de Star Wars, je m'organise pour que ça soit ultra Star Warsien. Et en plus, je suis quelqu'un de très, très simulationniste, si on pourrait dire ça comme ça. Mais je suis quand même quelqu'un aussi de très ludique. Bon, il y a du monde qui vont dire, ben là, t'es pas assez narratif. Non, 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 je narre moi-même. Je déteste la mentionnalité de narratif parce que techniquement, on narre nos histoires. Donc, oui, on est narratif. Puis, oui, je sais que selon l'espèce de principe. Bref, le côté narratif est là parce que je laisse toute la place à mes joueurs. Mes joueurs décident d'où est-ce qu'on s'en va. Je fais juste prendre des notes. Je veux être juste prêt pour avoir de la viande à mettre autour de mon os. Et c'est tout. C'est juste ça. C'est déjà beaucoup, là. C'est genre... ça fait énormément de préparation. Mais, bref, c'est... oui, c'est du travail. Oui, que oui, j'en fais. Mais est-ce que vraiment c'est tant problématique que moi que ça si genre quelqu'un décide de faire de quoi complètement dans le champ gauche alors que j'ai juste préparé le champ droit? Non, parce que je prépare tout égal. Genre je prépare des choses, j'en prépare beaucoup, j'ai un paquet de petites affaires, mais c'est juste pour mettre de la viande. L'os là, il s'en va dans la direction qu'il veut. Ben, en fait, je devrais pas dire un os, j'aurais plutôt dire l'arbre. L'arbre de la situation est géré par les joueurs. Je donne un paquet de petites plot twists, puis les joueurs prennent ce qu'ils veulent. Fait que comme ça, moi, je développe. J'ai juste une idée de base, puis j'ai lu tellement de cossins à gauche puis à droite que je suis capable d'improviser. Puis si nécessaire, on the fly, je peux faire une recherche puis dire, OK, ouais, il y a réponse à telle question, c'est ça. Fait. Ça se fait très bien. C'est très bien, mais alors, évidemment, on parle de 30 ans d'expérience là-dedans. Tu sais, 30 ans d'expérience dans Star Wars, on s'entend que je connais mon univers sur le bout de mes doigts. Puis encore là, je trouve que je suis pas si hot que ça parce qu'il y a du monde qui s'y connaissent encore mieux que moi.
Mais bon, bien que Vince, un de mes joueurs, connaisse Star Wars aussi sur le bout de ses doigts, puis s'y connaisse vraiment beaucoup, j'ai pas grand chose que je connais, qu'il connaît puis que je connais pas là. Tu sais, généralement, ce qu'il connaît, je le connais. C'est juste que j'ai pas grand chose d'avance sur lui, mais le peu que j'ai me suffit pour faire la job. Fait que tout est bien correct là-dessus. Tout le monde est heureux. Mes joueurs sont heureux. C'est tout ce qui est important. Me faire prendre les culottes baissées parce que j'avais prévu de quoi. Je l'ai déjà raconté. J'avais fait pour une planète. J'avais fait carrément un donjon là, ok? Ils allaient pouvoir descendre dedans, puis genre il y avait toutes sortes de situations, puis c'était un donjon habité. Il y avait autant des créatures que des humains. Il y avait quelque chose. Il allait pas là pour rien. Il allait pour trouver un marché noir. Puis le marché noir, ben il est caché, tu sais, évidemment. Faut pas qu'il soit au grand jour. Faut que le monsieur tout le monde, en fait, surtout faut que la police qui fasse sa ronde, se fasse avoir là-dedans, puis rebrouche chemin en disant « Mais non, y a rien, c'est le calice. » Et c'est tout. C'est tout. Genre, c'était tout simplement ça. Fait que, mais que la personne qui se donne la peine de fouiller un peu plus, genre, quelqu'un qui a du streetwise va finir par le trouver. C'est tout. C'est juste ça. J'avais bien dosé mon affaire. Puis, j'ai le goût d'en faire un autre, un petit donjon de même. Ça va se faire. Je travaille sur ces temples. C'est tellement simple. T'as juste besoin de printer un donjon qui est à peu près moderne. Puis après ça, paf! Tu mets des situations, des ennemis, des enfants dans le même. Puis, c'est beau. Faut juste que tu trouves une raison pour laquelle le donjon est là. Puis pourquoi les autres ils vont dans le donjon. Ça devrait se faire, je devrais pas avoir trop de problèmes avec ça. Fait que ça va venir. Je sais pas quand, mais bientôt. J'ai déjà un plan là-dessus. En fait, c'est un plot twist. Puis ils vont jouer dans le plot twist, c'est tout. Ok. Ensuite, fait que non, je me fais plus avoir par ce genre de cette affaire-là. Je me fais rarement avoir. La façon de me préparer maintenant et c'est prévu que je me fasse avoir. Fait que je suis mes joueurs maintenant. Je suis mes joueurs. Même si je prépare beaucoup, je suis mes joueurs. Fait que j'ai trouvé un milieu. Ok, une autre affaire. Oh, celle-là venait de Ratburger. La place que tu prends dans la game. Je m'en souviens bien dans un des vidéos, ben Ratburger et JDR des 30 qui ont parlé de ça. La place que tu prends dans la game. Oui, c'est quand même important la place qu'on prend dans une game. Faut pas prendre trop de place. Moi, le meilleur moment que je peux remarquer ça vraiment, là, j'ai deux exemples. Okay? On va commencer par l'exemple le plus vieux. Tout le monde connaît, ou presque, le joueur du grenier. Le joueur du grenier a fait une deuxième chaîne qui s'appelle le bazar du grenier. Et dans le bazar du grenier, il y avait, je ne sais pas s'il en fait encore, là, mais aventure. Okay. J'ai regardé genre les deux premières saisons d'aventure, parce que la première aventure, genre, elle m'intéressait pas tant que ça. Je l'écoutais rien d'un œil, d'une oreille distraite. Puis la deuxième saison, c'est une saison de Star Wars. Mais c'était pas fan. C'était vraiment clairement inventé, ordinaire, n'importe comment. C'était du Star Wars à l'époque du D6, mais du vieux, le premier D6. Tu sais, où est-ce que c'était du 100% imaginaire. Moi, j'ai fait du Star Wars beaucoup plus, réaliste, Star Warsien, mais c'est parce qu'on s'entend qu'on n'est pas à la même époque. Dans cette époque-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas 30 ans de jeux. Voyons, d'univers étendu, Legend. Il n'y avait pas 9 films. Genre 9 films de base avec genre 2 films. 2 films d'aventure secondaire. Puis un paquet d'autres genre des séries TV, dessins animés, whatever. Il n'y avait rien de tout ça, là. Il y avait juste des livres. En plus des 3 films originaux. Fait que donc. Le monde, ben, il imaginait vraiment beaucoup. Fait que,
Fait que donc, le monde faisait à peu près n'importe quoi et j'étais correct, tu sais. Je faisais que mettre des petits points qui faisaient que tu étais dans l'univers, tu sais, que tu te retrouvais bien dans l'univers. Mais c'était. Je trouvais pas ça génial. Bon, bref, je sors un peu de mon sujet, on va retourner à le sujet. Bref, parmi ces joueurs, il y avait un gars, un gars que beaucoup de monde connaît, et c'est. John Lennon, ok? Le Pierrot barbare. Bref, John Lennon est quelqu'un d'extrêmement volubile. C'est une grande gueule. Il a une très très grande présence. C'est un cabotin. Il parle tout le temps. Bref, il prend de la place. Il prend même énormément de la place. Leur DM est un très très bon DM. Je peux pas rien dire contre le DM. En plus, c'est quelqu'un qui est très très préparé avec son système, connaît son système à fond. Non, c'est parce qu'il écrit, premièrement. Il crée ses systèmes. Et en plus de ça, il connaît bien aussi le format informatique qu'il utilise. T'sais. C'est le Roll20, il l'utilise très bien. T'sais, genre, il a une belle interface, tout le kit, c'est cute, bravo. Mais bref. Ça change rien au fait que John Lennon est un personnage et il joue un personnage, mais il est un personnage de par lui-même. Et c'est un cabotin et il parle beaucoup et il prend énormément de place dans la game. Les trois autres, même joueurs du grenier, ils passent en arrière-plan face à lui, là, ça n'a pas de sens, tu sais. Mais en même temps, faut se rappeler que joueurs du grenier et son ami Seb, c'est du monde qui à la base sont. C'est du monde quand même pas mal gêné, tu sais. C'est du monde très renfermé. Ça se voit quand tu les rencontres réellement, tu sais. C'est du monde tranquille, tu sais. Tandis que John Lennon, c'est du monde énervé. C'est quelqu'un d'énervé. Je sais parce qu'ils ont été au. Géanimé à Gatineau. Ils ont tous été à Géanimé à Gatineau, puis on les a bien vus vraiment dans leur. En tant qu'eux-mêmes, tu sais. Donc, bref, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend énormément de place. Et, tu sais, je me suis tanné de ces aventures-là. Ça, surtout que j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Mais, c'est ça. Tu sais, il prend beaucoup de place. Si j'ai un autre exemple à donner, ça serait, des enfants. Mais surtout des petits garçons. Et désolé François, mais je veux pointer ton fils. Depuis 2 ans, quand on joue à Star Wars, à Draconis, c'est désormais une tradition. Il y a une game de Star Wars à la fin de Draconis, la dernière game. Les deux dernières années, c'était François qui l'a fait, mais là, cette année, c'est moi qui ai fait la Star Wars. Okay, de fin de convention, c'est moi qui ai fait. Et évidemment, le fils à François, c'est quelqu'un qui est très très bon en roleplay, en assistant, il joue bien, etc. Puis d'ailleurs, il est en train de devenir maître de jeu, fait que c'est super ça. Vas-y, il va peut-être même DMer et reconnaître, ce serait awesome. Mais c'est ça, il prend de la place. Il prend de la place beaucoup parce que il veut participer. Il veut participer énormément, mais sauf qu'à Draconis, le problème, c'est que c'est souvent des très grosses tables avec beaucoup de monde. Puis, il y a du monde qui sont expérimentés, qui vont prendre juste la place nécessaire. Et il y a du monde qui sont excités, puis qui vont prendre plus de place que ce qu'ils devraient. Puis, il y a les passifs, là, ceux qui ne prennent pas beaucoup de place, tu sais. Ça, il y a tout ça. Ça se mélange, puis genre, il faut que tu fasses avec. Je suis quelqu'un qui prend de la place, beaucoup même. Mais avec mon expérience, j'ai réussi à me contrôler. Puis, j'essayais d'aider un petit peu le fils à François. Il disait, non, mais là, faut que tu laisses la place là, à telle personne. C'est à son tour à lui. Là. Attends un peu, tu vas pouvoir réagir. T'sais. J'essayais. je voulais quand même pas genre trop le bosser non plus. C'est le fils à François, c'est pas moi, mais François, il en a plein les mains, il DM.
c'est dur d'être parent pendant ça là. Puis en tant que parent, ben je le voyais bien. Fait que tu sais, j'essayais un petit peu d'aide. T'sais. J'espère que j'ai pas trop défoncé ma barrière en tant que joueur, en tant que maître, qu'aidé, en tant que parent. Tu sais, j'essayais juste d'aider pour que la game aille bien. T'sais. J'essayais de faire ma part. Mais bon, c'est des exemples. Puis comme j'ai dit, moi-même, je suis pas meilleur qu'un autre. Là. C'est juste maintenant, avec plusieurs années d'expérience, que j'essaie de me contrôler à pas trop prendre de place. Puis genre, maintenant, quand je reconnais, en tout cas, bref, quand je suis dans des games avec du public que je connais moins, quand je vois du monde qui participe moins, ben j'essaie de leur donner plus de temps. Puis autour de ma table, c'est ça, Vince prend beaucoup de place. Mais genre j'essaie de donner le maximum de place possible aussi à mes deux autres joueuses. Puis genre quand j'étais avec avec Joël Magali là, elle est extrêmement gênée. Fait qu'elle prend pas beaucoup de place, tu sais. Elle prend tout un petit peu de place, puis genre, tu sais, elle roleplay pas beaucoup son personnage tant que ça. Fait que j'essaie de donner de la vie, j'essaie de donner la place. Oui, là, c'est à toi, là. Décide ce que tu fais, vas-y, prends les devants, va parler aux gens, vas-y, joyeusement. Elle a encore de la misère, mais c'est pas grave, ça va venir. Bon, on va continuer la liste d'épicerie. Oui, jasage de jeu de rôle, qui m'a beaucoup interpellé avec... les settings préfets. Évidemment que ça m'interpelle, au plus haut point même, parce que Pathfinder étant un système qui utilise beaucoup, beaucoup de systèmes préfets, de toute façon, bien, techniquement, il sort un livre par mois depuis la création de Pathfinder. Tu sais? Même Starfinder, depuis qu'il est sorti, il y a un livre par mois, je pense qu'il sort, je ne sais pas s'il en sort encore autant. C'est gigantesquissime, il y en a plein d'histoires. Puis normalement, c'est 6 histoires pour faire une game complète, genre je te rends jusqu'au level 20. Fait que donc, on s'entend qu'il y a 2 histoires complètes par année qui sortent. Pour se faire une personne level 20. Fait que techniquement, ils prennent en considération que eux autres, 2 fois par année, tu fais 2 personnages par année. Si t'es suivi à 100%, là, vraiment raide, là moi je me dis, c'est énorme, là, tu sais, genre, il y a rien qu'un cégep qui peut réussir à faire autant de games par année, ça n'a pas de sens, là, ou quelqu'un au secondaire, j'ai de la misère à suivre. Ça va nous prendre 3 ans à faire une game, là, tu sais. Anyway. Alors, revenir au point de vue. Lui, il dit qu'il aime pas ça. Moi, I beg to differ. Et je vais expliquer mon point de vue. Premièrement, il m'est arrivé des moments dans ma vie où j'ai eu des gros down. OK? La dépression, est-ce que vraiment c'est une dépression? Je veux dire oui, mais c'est une petite, parce que je connais du monde qui ont fait une dépression solide, puis ça a fait pas mal plus mal que ça. Mais à ce moment-là, j'avais la cerveau en sauce blanche. Le beau clin d'œil à Winston dans Ghostbusters. Et j'étais incapable d'imaginer des games. Okay? J'étais incapable d'être un DM bon et efficace. Fait que donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, je prenais des aventures préfaites. Et je trouvais ça super pratique parce que tout ce que j'avais à faire, c'était de la lire comme il faut. Puis, ça me donnait des gros. Ça me donnait une structure pour soutenir mon imagination. OK? J'ai plus besoin de tout ça en ce moment parce que j'ai trouvé une nouvelle façon de faire. Mais il y a le fait aussi que je suis plus en dépression. mais écoute, c'est un support. Faut penser à ça comme étant un support. Quand j'ai fait ma game de Star Wars avec Joël et Magali, j'ai cherché ce genre de support-là. Un support beaucoup plus lousse. Tu sais, je cherchais plus à faire la fondation de mon immeuble. C'est ça que j'ai pris mon livre Cargo Interstellaire avec l'aventure de la Mon Minos. Et c'est un excellent. C'est une excellente fondation pour construire ma game.
Et j'ai fait tout ça. Et ça a super bien été. Et ça n'était qu'une fondation parce qu'il n'y avait pas tant de ça, de détails ultra bien faits. Mais en plus, imagine, la game est en D6. Tandis que moi, je joue en D20. Modifié en plus. Fait que j'avais du travail à faire en masse. Là. J'ai rien à dire là-dessus. Là. C'est ça, il faut s'en servir uniquement comme support. Autre chose aussi, c'est au niveau des games de Pathfinder. Ça c'est pas juste une fondation. Là, c'est une maison Bonneville à monter. Là, fait que, mais tu peux t'en servir de la même façon parce que dans les games de Pathfinder, souvent, ce que je leur reproche, parce que oui, j'ai des reproches à leur faire, c'est que dans les games de Pathfinder, tu vas avoir une histoire de malade pour une personne que genre... Tu sais, mettons, t'as des histoires vraiment beaucoup pour chaque, presque chaque ennemi, OK? Fait que t'arrives à quelque part, en plein milieu d'une game, il y a tel ennemi que tu vas rencontrer. Ben, tu vois toute son histoire, puis tout le tralala. Là, tu te poses la question, bon, OK, c'est vraiment important de lire tout ça? Pas tellement, parce que c'est marqué « Attaque à vue, les ennemis ». Ben, « Attaque à vue, les joueurs ». OK, y a-tu un moyen de savoir tout son pedigree, toute son histoire, genre, parce que là tu t'es cassé le cul à y mettre une histoire quand même intéressante, là. OK, cette personne-là est là pour telle raison, telle affaire, et, OK, qu'est-ce qui viendrait à faire qu'elle pourrait me raconter sa vie, cette personne-là? Ben, y a rien pas tout, parce que c'est marqué « Attaque à vue ». Elle veut attaquer à vue, c'est chez elle, elle va se battre. Puis si tu la stunnes, c'est marqué qu'elle n'avouera rien sauf sous la torture. Mes personnages sont loyaux, bon, est-ce qu'ils vont faire de la torture? Non! Fait que ça sert à rien, toute cette histoire-là. Non, c'est pas vrai, ça sert à rien. Ça sert, justement, si tu veux utiliser ton personnage, cet ennemi-là, dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances. Donc, dans une autre game qui n'a pas rapport. Donc, c'est-à-dire... C'est prendre ça comme fondation pour une autre game. Hein? Oui, je pète ma coche, puis je suis capable de parler doucement aussi. Fait que donc, c'est ça mon point de vue. Au niveau des settings, je trouve ça pratique quand on est en panne d'inspiration, quand il faut qu'on DM, puis qu'on est en dépression, whatever, tu sais, genre. T'sais, je voulais DMer, je voulais jouer moi pendant ma dépression. Là. Ça allait me changer les idées. Mais genre, j'étais pas capable d'avoir d'imagination pour créer une game de 100%. Mais je me suis servi des livres. C'était tellement plus pratique. Puis en plus, ben, les livres ont souvent des aventures qui sont génialissimes. Pour Pathfinder, je l'ai déjà dit, je vais le redire, je recommande au plus haut point Skulls and Shackles. C'est une game de pirates et c'est débilement hot. C'est fantasmagorique, tellement que c'est cool. Fait que je la recommande. Oui, c'est une histoire toute faite, mais super bonne. C'est une bonne histoire. Bien faite, bien dosée. Qui te laisse beaucoup de... Je sais pas si tienne. Qui te laisse beaucoup de liberté en tant que joueur parce que c'est souvent du sandbox. C'est du sandbox. Tout est organisé, puis le reste, ben, tu te débrouilles. Parce que crème, nous autres, on s'est fait amis avec quelqu'un qui était censé être notre ennemi à la base. Tu sais? Fait que tu peux faire ça comme tu veux. Bref, c'était. Je viens d'arriver à la job. Fait que. C'était pas mal mes trois sujets que je voulais vous parler. Et je vous souhaite des critiques nombreuses et des fumbles rares. Bye bye.